super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et qui est une vidéo que vous m'avez demandé tellement de fois sur Instagram en message privé et j'ai dit allez, faut que je réalise cette vidéo. C'est une vidéo que j'ai faite il y a pas mal de mois sur ma chaîne et comme vous pouvez voir, c'est une vidéo rangement make-up. Ouais, génial, je pense que vous l'attendez toutes et moi j'adore regarder ce genre de vidéo et je pense que vous aussi. Donc on est d'accord là-dessus. On va faire juste une petite mise au point. Je suis une passionnée. Et quand on est passionné, on collectionne plein de choses, on adore acheter et ça c'est le kiff et ça c'est mon kiff. Donc pour vous dire que tout ce que je vais vous présenter, il y a des choses que je reçois et que je teste pour vous en parler et des choses que j'achète. Mais j'achète plus de ce que je reçois, Donc ne soyez pas interloqué, ne soyez pas choqué, ne soyez pas impressionné de dire oh là tout ce maquillage machin. J'adore ça, honnêtement je kiffe le maquillage, j'adore ça, j'adore tester, j'adore vous en parler, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne de beauté, vous le savez depuis une année, et c'est quelque chose que je voulais vous faire découvrir. Voilà comment moi je m'organise dans ma coiffeuse, d'où viennent les rangements, c'est ça aussi qui est intéressant parce que vous avez été nombreuses à me demander d'où venaient mes rangements maquillage et je me suis dit bah pourquoi pas, parce que c'est vrai que ça aide beaucoup, déjà d'une parce qu'on n'a pas envie de mettre cher dans du rangement maquillage, hein, parce que moi j'ai déjà plus de place, autant vous dire maintenant je ne sais plus où les acheter, mais j'ai mes petites adresses et toutes ces petites adresses je vous mettrai ça en barre d'infos, ne vous inquiétez pas, je répondrai à vos questions, si vous avez des questions concernant si c'est de la qualité, si c'est pratique, machin truc, voilà. Ça, j'y répondrai si j'ai un moment, il n'y a pas de souci là-dessus. En tout cas, sachez que je suis une passionnée, que j'adore ce que je fais. C'est pas pour dire, bah tiens, j'ai telle chose, telle chose et telle chose. Non, c'est du plaisir, c'est du partage. Voilà. Et cette vidéo est là pour ça. Donc, j'espère que vous allez prendre du plaisir à la regarder. Je vais vous montrer en fait comment je m'organise. Parce que moi, tout est ordonné, tout est millimétré. Et je sais tout. Enfin, je sais tout ce qui est à sa place. C'est-à-dire que si on me demande où est la lighter, où est le machin, ceci ou cela, telle marque, je sais où le trouver. Voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon la vidéo va durer plus de 40 minutes et c'est pas le but. En tout cas, on se retrouve juste après la vidéo. Je vous fais plein de bisous et bon visionnage. Donc voilà, c'est parti pour la vidéo. Excusez-moi, je vais parler un peu fort. Puisque dehors, c'est le déluge. Nec, c'est fait exprès. À chaque fois que je fais une vidéo, Nec, c'est fait exprès qu'il y a un temps de merde. Et puis il y a de l'orage. Hein. Bon. Alors, on va commencer cette vidéo, donc comme vous pouvez voir, je vous montre la vue d'ensemble de ma coiffeuse, voilà. Donc, pour commencer, le miroir vient de chez Maison du Monde, je l'ai acheté il y a déjà une année maintenant, voilà, j'ai commencé ma chaîne il y a une année. Et ce qui se trouve autour là, les petits froufrous là, ça vient aussi de Maison du Monde, ils ont pas mal d'accessoires là-dessus. Je sais pas pourquoi, j'avais envie de mettre ça, je trouvais ça assez sympa. Ensuite, donc là, ma chaise vient aussi de Maison du Monde également. C'est une chaise, j'aimais bien cette forme et puis j'aime bien la couleur rose comme ça. Mais là, j'ai envie de changer, voilà, j'ai envie de changement, donc je pense que je vais changer. Le bureau, on va appeler ça un bureau parce que c'est chez Ikea, comme ils viennent chez Ikea. Ils appellent ça les bureaux, donc, ou la coiffeuse Balm, elle s'appelle, je sais plus. Si, c'est la coiffeuse Balm. Donc moi, je l'ai acheté comme ça. Je l'ai acheté comme ça, je ne sais plus le prix, mais je vous mettrai les liens, elle est encore disponible. Et des deux côtés, ben, j'ai rajouté les meubles Alex. Voilà, les meubles Alex sont là. Et vous avez plusieurs tiroirs, des plus petits et un plus grand. Moi, j'ai pris le grand parce que j'ai plus de place, quoi. Honnêtement, j'ai plus de place. Donc voilà, donc comme vous pouvez voir, ben, là, c'est bien chargé. Elle est assez costaud, j'en suis très contente. Mais j'aimerais encore plus grand. Oh, dehors, c'est le déluge. On va commencer par le côté gauche. Et puis après, on terminera par l'autre côté. Allez, c'est parti. Donc, premier rangement. Là, c'est le rangement. Donc, c'est un rangement que j'ai acheté. C'est USA Addict. On connaît le logo qui est là. C'est le premier rangement que j'ai acheté chez eux. Et je suis méga fan. Alors oui, ils sont pas... je sais pas spécialement donné, mais ils sont de très bonne qualité. J'aime énormément. Et donc, voilà. Donc, celui-là, il a 1, 2, 3, 4 grands tiroirs. Où il y a des séparations dedans, mais vous pouvez enlever. Donc, sur le dessus, déjà, pour commencer, j'ai mis tout ce qui est bombe fixateur de maquillage. Je suis une dingue de fixateur de maquillage et j'en possède pas mal et j'aime bien les tester. Notamment la MAC que j'aime énormément, la Glam Look que j'utilise beaucoup en ce moment, Urban Decay. Ça, c'est un lait démaquillant que j'adore chez Makeup Forever qui m'a été offert par une abonnée. Derrière, j'ai encore du Dermine, j'ai du Sephora, j'ai du Kiko. Ça, c'est ma bouche d'amour de chez Huda Beauty avec lipstick. C'est tellement beau, ces packaging que voilà. Ça, c'est un truc que je kiffe. Donc, dans les tiroirs, moi, j'ai planté comme ça. Ça, c'est tous mes Colourpop, mes ombres à paupières que j'adore. J'adore cette marque. On n'entend pas beaucoup parler, mais moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Pas tout, mais il y a des choses que j'aime bien. Donc, moi, je les ai mis comme ça dedans et j'ai laissé les petites séparations.
parce que je trouvais ça joli, pratique, mais vous pouvez les enlever, hein. Voilà, vous n'êtes pas obligé de les laisser, vous pouvez les enlever. Ensuite, je mets quoi d'autre? Mes petites éponges Beauty Blender, j'ai des paillettes de chez Too Faced, enfin, voilà, c'est un rangement que j'aime beaucoup. Deuxième tiroir, alors deuxième tiroir, on a un petit peu tout. C'est tout des tests, des essais, en fait, des échantillons qu'on me donne. Et ça, je trouve ça vraiment génial quand vous donne des échantillons. Ça vous permet de tester les produits et voilà, si vous aimez ou pas. Mais notamment, alors ça, bon, ça, c'est pas un testeur, mais ça, je l'adore, mon Brazilian Kiss. Oh, comme j'aime trop ce lipstick, un baume à lèvres. J'ai de tout. J'ai mes lentilles de couleur, voilà, avec Diamond Paradise, où je suis en partenariat. J'ai des baumes de qui... Ah, bah tiens, là, c'est by Julien, Pure Altitude, de Sephora. Enfin, bref, là, c'est vraiment un rangement où je mets un petit peu de tout. Dans l'autre tiroir, ah ça je me suis organisée comme ça, moi je, voilà, donc ça je m'y retrouve bien. Là c'est tout ce qui est mascara, donc mascara ici et concealer. Et notamment donc là en ce moment je surkiffe le mascara de le Bad Gal de chez Benefit, ça c'est vraiment de la bombe les filles, je vous le recommande. Après tout le monde l'aime pas, il faut juste avoir bien le travaillé. J'ai mon Pan Pot de chez MAC qui me quitte plus pour mes yeux, mais il y en a d'autres que j'aime bien. Il y a du Benefit, il y a le Monsieur Big de chez Lancôme, du Kiko, du Too Faced, du Urban. J'adore le Better Than Sex, j'ai du MAC, j'ai de tout. Honnêtement j'ai de tout. Et là c'est les concealers, et les concealers, ben, c'est toute ma life quoi. Voilà, quand tu te lèves le matin et que t'as une sale gueule, ben, tu prends ton concealer. Hein. Et donc notamment j'adore le Tarte. Le Shape Tape, vous le savez, c'est numéro 1 dans le monde, voilà, c'est vraiment un correcteur, enfin, je l'aime vraiment, je l'aime particulièrement. J'ai du Benefit, j'ai du Dior, le Nars, c'est un de mes préférés. Honnêtement, le Nars, c'est une valeur sûre, 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 et je vais le reprendre parce que j'aime trop. J'ai du Maybelline, j'ai quoi d'autre? Du Too Faced, j'ai du... Ah là, c'est quoi? Du By Terry. Voilà, et puis là, en ce moment, je suis en train de tester le chez BK. Qu'est-ce que j'ai d'autre, là? Ah oui, j'ai du Body Shop que j'ai reçu de Ivancy. Voilà, il y a vraiment pas mal de choses. Et je trouve que c'est très très bien rangé. Ensuite, dernier gros tiroir. Là, c'est vraiment le gros tiroir. C'est un des plus gros. Donc là, c'est toutes mes bases. Toutes les bases de teint. Voilà, avant le make-up. Pour préparer ma peau. Donc, il y a vraiment de tout. Hein. Alors là, j'ai du Benefit. Celle-ci, j'adore. J'ai du NYX. J'ai du Huda. Après, j'ai tout ce qui est Glitter Glue, en fait, pour les paillettes de chez Too Faced. J'ai du Clarins. Ouais, c'est ça, j'ai du Clarins. J'ai du Make Up Forever, j'ai du Clinique, là encore du Too Faced, du Filorga, vous voyez, je vous dis, il y a de tout, de tout, de tout, de tout. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah ben du Oula, c'est pour l'été ça, un petit gel bronzant, mais là on n'en a pas besoin. Voilà, donc c'est vraiment le rangement que j'adore et je m'y retrouve tellement, tellement bien comme ça. Et ce rangement-là, franchement, je vous le recommande. Voilà, si vous voulez faire un petit tour chez USA Addict, allez voir, ils ont vraiment des chouettes rangements. Derrière, qu'est-ce qui s'y trouve? Derrière, j'ai ma boîte de chez Tarte Cosmetics, j'avais commandé, vous avez fait une vidéo là-dessus. Je ne vais pas m'en séparer parce que je l'aime beaucoup. Il y a encore des rangements là. Ça, c'est tout ce qui est labello, paillettes, il y a un truc pour les cuticules. Enfin, voilà, c'est mon petit rangement. Je l'ai mis derrière parce qu'il ne me sert pas tellement en ce moment. Voilà. Et puis là, c'est tout ce qui est mes petites trousses que je reçois en cadeau. Et j'en ai de Too Faced. Elle m'était offerte à Londres par Too Faced. Ça, c'est par Sephora Annemasse. Elle est trop belle. J'en ai encore une de Too Faced. Voilà. Je les mets là parce que comme ça, quand je pars des fois le matin, et je mets quelques petites choses dedans. Ensuite, on va passer au rangement. Donc, ce rangement-là vient de chez Ikea et le rangement s'appelle Alex. Donc voilà, ici, dans le premier tiroir, on va survoler parce que sinon, on va avoir pour 100 ans. Là, c'est tout ce qui est masque, gommage, exfoliant et j'en passe, démaquillant pour le visage. Donc là, notamment, je vous montre, je vous survole un petit peu, j'ai du Glam Glow parce que j'adore le Glam Glow. J'ai du Dior, j'adore celui-là. Honnêtement, le Glow Better, enfin le masque éclat, c'est de la bombe. Et c'est l'odeur, c'est un démaquillant. J'ai du L'Oréal, du Sephora que je reçois. Voilà, vous savez, je reçois aussi par Octoly, donc je reçois pas mal de choses. J'ai des masques de Skin Food que j'aime bien. J'ai encore du Glam Glow, bah, ça c'est mon glitter, hein, ça c'est mon préféré. Du Tarte parce que je suis une dingue de leur marque. La marque Origine, on en parle parce que je suis méga fan de leurs produits. Honnêtement, il faut absolument que j'aille me rechercher d'autres. Donc là, j'ai les produits Origine que je suis en train de tester. Ça, j'aime beaucoup aussi, la Diadermine. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. Hein. J'ai du Dior, un gommage. Là, je crois que c'est du Too Cool Sans Cool. C'est ça? Non, et du Sephora. C'est pas mal encore celui-là. Ouais, Too Cool Sans Cool. Ensuite, j'ai du Clinique, ça j'aime bien. Le Clinique, le Pepstar qui est pas mal. Que ça, c'est mon Glam Glow que j'adore. C'est ma gelée nettoyante que je surkiffe.
j'ai du oiseau, du sachet d'eau, enfin, il y a de tout, de tout, de tout. Mais c'est bien rangé. Chacha, elle s'y retrouve. Deuxième tiroir. Donc voilà, donc là, c'est tout ce qui est déodorant, brume pour le corps. Ça, c'est un gel douce que j'avais pris chez Yves Rocher. Voilà, là, il y a un truc intéressant, c'est tout ce qui est, en fait, déodorant. Et je les mets là parce que c'est tellement pratique. Troisième tiroir. Alors ici, on a quoi? Alors ici, on a tout ce qui est mousse de douche pour le corps. Donc ça, c'est ma copine Caro qui m'avait ramené ça. Je vous en avais parlé, c'est la marque Bilou. Ou Bilou, Bibou. Non, c'est Bilou. Et je surkiffe ces trucs. Oh, je vous assure, regardez-moi le packaging, je suis trop fan. C'est vraiment tellement girly, tellement fun. Et ça sent divinement bon. Ça vous laisse une odeur sur la peau mais pendant des heures. Et moi, j'adore. Voilà, là, j'ai un spray qui va avec. J'ai du Victoria's Secret. Ça, c'est des trucs de chez Sephora, des nettoyants. Ça, c'est mon truc pour les pinceaux. Voilà. Ensuite, dans ce tiroir, on a quoi? On a du Glam Glow, qui est un nettoyant moussant à l'argile que j'adore. Là, j'ai une mousse crépitante de chez Garantia. Ça, je l'adore. C'était chez L'Oréal, un lait démaquillant. Et la gamme qu'ils avaient fait, j'avais juste kiffé. Ça, c'est quoi? Ah ouais, le petit magique. Ouais, sans plus. Honnêtement, sans plus. Ça m'était offert. Du lait d'Emilion, en fait, c'est tout des lotions pour le corps. Ça, c'est quoi? Ça, c'est pour les cheveux. La Sultane de Saba. Ça, c'est de la bombe. Du beurre de karité. Alors ça, ça envoie, ça. Honnêtement, c'est top. Chez Body Boom, vous devez connaître, c'est des gommages pour le corps à base de café, quoi. De coffee, donc le coffee scrub, et j'en ai trois. Ils sont vraiment pas mal. Maman, j'avais bien aimé, ils étaient en exclusivité chez Marionneau. Voilà, ensuite, on continue. Bon, alors là, il y a un peu de tout, c'est pareil. Là, c'est beaucoup tout ce qui est pour le visage, donc notamment donc, les patchs Biore que j'avais adoré pour le nez, qui sont vraiment très, très efficaces. J'ai pas mal de masques et après c'est beaucoup d'échantillons. Là on m'en a encore offert, ça c'est de la marque Dr Jart que j'aime beaucoup. Et dans toutes les petites pochettes que vous pouvez voir ici, en fait, y a beaucoup d'échantillons, il y en a partout. J'ai des échantillons partout, 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 vous voyez. Donc ils sont bien rangés. J'en ai là, j'en ai encore au fond, là c'est des bandes épilatoires. Bon, il n'y a pas trop d'intéressant, c'est des échantillons ça qu'on me donne en fait quand je vais à Sephora, j'ai pas mal de cadeaux. Alors ensuite... Qu'est-ce que j'ai là? Bah là, j'ai des trucs que je dois encore ranger, notamment. Alors ça, c'était chez Glam Glow, c'était ma gelée nettoyante hydratante qu'il faudra... Bah tiens, vous voyez, j'avais l'emballage que j'avais fait des photos avec, il faut que je jette, mettre là. Ah ça, ça m'a été offert, il faut que je teste ça. C'est une abonnée qui m'a acheté ça. C'est le Black Mask, je vais le tester. J'espère que ça ne m'arrachera pas le visage, par contre. Je vous dirai, il est tout plein, je vous dirai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, alors ça, c'est top. Les Flash Patch, en fait, qui est un... Ce sont des gels, en fait. Ce sont des patchs, pardon, des patchs gel, des gels, pardon, pour les lèvres. Ça vous fait les lèvres toutes douces. Voilà, si vous voulez un peu refaire vos petites lèvres toutes irritées, ben, vous prenez ça. Franchement, je les aime beaucoup. Ensuite, j'ai quoi? J'ai Polysiane. Voilà, c'est une gelée fraîche. Je la surkiffe. Vous la trouvez en parapharmacie. Là, j'ai mes trucs. En fait, c'est les Fat Burning qui m'a été envoyé par Octoly, qui vous permettent de garder la pêche. Voilà. Et aussi pour côté forme. Ça, c'était pour les, ça, c'est pour les cheveux. C'est les Sugar Beer, les R Vitamines. Ça, c'était vachement connu à une époque. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé le produit. Ça, c'était pour mes lentilles. Quand j'ai reçu mes lentilles, ben, j'ai acheté ça. Donc, ça peut me resservir. Hein, vu le paquet qu'il y en a dedans, je peux vous dire qu'il y en a pour un moment. Après, là, j'ai des pochettes qu'on m'a offert. Oui, j'ai toujours des pochettes. Et dans ces pochettes, ben, il y a plein de choses, quoi. Donc, voilà pour ce tiroir. Là, il y a encore des échantillons là-dedans chez Guerlain. Mais... Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah là, c'est encore un rangement. Là, c'est plutôt des cotons. J'ai encore des trucs que j'ai encore testé que j'avais reçu de Merci Andy. J'ai du Kylie Cosmetics, j'ai des mouchoirs, c'est encore du Kiko. Ça, c'est chez le Talgo que j'avais reçu à tester. Donc, une crème en fait fermeté. Là, j'ai du Victoria's Secret. Là, j'ai encore du Too Faced. Là, j'ai encore des échantillons. J'ai des Beauty Blender. Là, c'est mon petit coton. Et puis, ça, c'était quoi? Ah, je l'adore, la Epoa. Je l'adore, ce gel douche. Oh, parapharmacie, ça, par contre. Voilà, ensuite. Donc là, rien de trop intéressant. Là, j'ai mon tapis pour nettoyer mes pinceaux de chez Sigma. Là, c'est des pochettes que j'ai. Voilà, que j'ai quand je pars en vacances ou quoi. Bah, je mets tout là. Et puis ça me permet de les retrouver facilement. Voilà. Et puis, dans le dernier tiroir, c'est quoi? Bah, encore des pochettes. Encore des rangements, des pochettes, des échantillons. Là, j'ai des pochettes de Kylie. Ça, c'est des pochettes qu'on m'offre. Là, c'est du Zoeva quand j'ai reçu mes pinceaux. Là, il y en a encore là.
Là, il y a du Too Faced. Et là, c'est du Air Dream. En fait, tout ce qui est shampoing. Là, il y a du Benefit. Enfin, bref. Il y a pas mal de choses aussi là-dedans qui est intéressant à vous montrer. Alors ensuite, donc ce rangement-là, comme vous pouvez voir, c'est un rangement que j'ai acheté sur Amazon. Et il est juste génial. J'en ai acheté deux. Donc ça, c'est le plus grand que je vous montre. Et je vous montrerai le plus petit parce qu'il y a deux formats chez eux. Et donc, la marque de ce rangement, c'est Beautify. Je vous mettrai le lien de ce rangement-là parce que je peux vous dire, les filles, que c'est de la bombe. Donc, je l'ai reçu comme ça, nickel, très très bien protégé dans une boîte avec des trucs sur les côtés, enfin bref. Je vous mettrai tout ça en lien. Donc, en fait, au-dessus de ça, je me relève, il y avait un couvercle. Moi, j'ai basculé le couvercle pour en fait laisser cette ouverture-là pour mettre en fait tous mes produits de soins pour le soir et pour le matin. Je vais vous les mettre comme ça parce que je sais pas, j'aimais bien et je trouvais ça tellement pratique, puis j'aimais bien les voir et puis c'était assez... assez pratique pour les prendre. Donc, dans ce box-là, en fait, il y a tout ce qui est base de teint aussi. Il y a des bases de teint, il y a des sérums, il y a des contours pour les yeux. Comme vous pouvez voir, il y a chez Estée Lauder, je suis une dingue d'Estée Lauder. Donc là, il y a le sérum lissant, il y a le contour pour les yeux, la Matrix, on a l'Advanced Night Repair. Il y a les huiles Farsali, du Guerlain, encore du Guerlain. J'adore celle-ci, la Météorite, je peux vous assurer que c'est vraiment de la bombe. Le Dream Skin, on n'en parle plus, le Capture Total qui est vraiment fabuleux. Ensuite, j'ai tout ce qui est lotion pour le matin. Notamment, j'ai la Carita, j'ai le Pure Altitude qui est juste de la bombe. L'odeur, j'adore, à la mélisse et à la menthe. Comme c'est frais le matin. Celle-ci, je l'adore de chez Fresh qui est une rose deep. Pardon. Et dedans, regardez, vous avez les roses. C'est pas génial ça. Mais celle-ci, je peux vous assurer, elle est chère, mais elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du Dior, j'ai du Guerlain, la Bay Royale, j'ai du Marc Jacob. Derrière, qu'est-ce qu'on voit? Herborian, la bambou, comme je l'aime trop, enfin je vais en mettre. Du Clinique, là c'est tout ce qui est Becca, c'est tout ce que base, des bases highlighter, ça c'est du Fenty Beauty. Ça je l'adore en ce moment, j'utilise le Lancôme, en fait c'est un accueillateur de jeunesse, un sérum pour le soir. Vous voyez, il y en a beaucoup, il y a du Galénique, j'aime beaucoup Galénique. Body Shop, du Kiehl's. Du Benefit, du Too Cool For School, du Melvita, du Kiko, du Filorga, du... Il y a de tout. Et je teste tout, honnêtement, je teste tous les produits, vous voyez là. Il y a du Victoria's Secret, ça c'est les brumes quand, après, quand je sors de la douche que je me mets. Ça c'est quoi, le Galénique, j'adore énormément. Voilà, c'est un rangement que j'aime. Moi, je me suis toujours organisée comme ça et c'est très pratique. Ensuite, on va passer au tiroir maintenant. Donc, le premier tiroir. Donc moi, je me suis organisée comme ça. Je vais vous dire comment moi j'ai rangé. Et vous me direz, c'est vous, comment vous organisez. Donc, dans le premier tiroir, ici, on retrouve tout ce qui est highlighter. Ils ne sont pas tous là, mais j'en ai mis une partie là. Donc, il y a du Sephora, j'ai acheté dernièrement. Il y a du Urban Decay là, en collaboration avec Kristen Lin. C'est trop beau ce qu'elle a fait. Là, je dois avoir quoi? Là, je ne sais plus. Genre, du Too Faced, j'ai un cœur. Là, il y a du Kiko, du Too Faced. Oh là là, c'est packaging. Le Tarte, oh, le Tarte, il est beau. Le MAC. Encore du Kiko, là c'est le truc pour les yeux de chez Tarte, encore du Kiko, c'est la collection Saint-Valentin, le Becca, j'adore Becca, honnêtement j'adore le Becca, en ce moment je mets beaucoup le Parisian Light en fait qui était en collaboration avec Saint-Nanas et franchement il est magnifique, honnêtement moi je l'aime beaucoup, enfin, tout le monde me dit qu'il est vraiment beau et il a vraiment un beau rendu quoi, en fait moi j'aime la couleur, j'aime les pigments qui sont dedans, je vous le remonte quand même, attendez, voilà. Honnêtement, le highlighter, il est beau. Franchement, voilà. Donc là, je le porte aujourd'hui. Ensuite, on a du Fenty Beauty, du Make Up Forever, du Kylie Cosmetics. J'adore leur city packaging chez elle. C'est toujours très girly, j'aime trop. Honnêtement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Celui-là, c'était un best-seller chez The Balm et qui est le Marilou. Oh, j'adore. J'adore aussi. Voilà, il y a un petit peu de tout au niveau highlighter. Je vais bien encore au fond. Ensuite, ici... Alors ici, c'est tout ce qui est bronzer. Alors, je peux vous dire que celui-là, il est chargé. Parce que je suis une dingue de bronzer, les filles. Là, il y en a jusqu'au... Regardez, jusqu'au fond. Je vais faire gaffe. Il y en a encore là. Attendez. Donc là, il y a tout du Too Faced. Hein, du Too Faced, du Tarte. J'ai les deux Tartes. Là, j'ai le Park Avenue Princess. Je l'adore. Honnêtement, je l'adore. J'ai du Nars. C'est une valeur sûre chez Nars. Le Laguna. Ah bah tiens, l'highlighter, il n'a rien à faire là. Le Menerai. Oh, le Menerai. On va le remettre en haut. Voilà. Là, j'ai du Yves Saint Laurent, c'est le Télécushion. Ça, c'est mon favori du moment, le Too Faced, le chocolat gold, qui est juste fantastique. Du The Balm, la Cabana Boy, que j'adore. Du Bar Mineral, du NYX, de la Oula, c'est aussi une valeur sûre. Du MAC,
J'ai quoi au fond? Du Sephora. Ah, ça, je l'adore aussi. J'ai du BK. Ah, j'adore celui-là aussi. Là, j'ai de la, ça, c'est hors glace. Ça, c'est de bon. Ça, c'est de la bombe. Par contre, c'est super leur produit. Qu'est-ce que j'ai d'autre en fond? Make-up Forever. Ça, c'est un de mes préférés. Le Pro Bronze Fusion. Ça, c'est parfait pour l'été. Alors voilà, pour te réchauffer le teint. Il n'y a rien de tel. Marc Jacob, je suis fan de celle-ci qui est à la noix de coco. Infusée à noix de coco et qui est le Tantastic Omega Bronze. Comme je l'adore celui-là. Oh, j'aime beaucoup. Il a un rendu vraiment naturel. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est ma partie bronzer. Et il y a la Oula aussi en stick. Des fois, j'utilise les sticks, mais c'est moins souvent ça. Voilà. Ensuite, bronzer, on est bon. Ça, c'est blush. Ça, c'est le rayon des blushs. Et les blushs, j'aime beaucoup les blushs. Surtout les blushs couleur pêche. Mais il y en a beaucoup qui reviennent que j'adore. Donc là, c'est la Love Flush, vous la connaissez. Encore du Nars, parce que j'adore Nars. Et la valeur sûre, c'est le Orgasme. Et j'adore ce blush. Honnêtement, le blush de chez Nars, vous pouvez le mettre avec tout. Attendez, je vous montre. Regardez. Ouais, honnêtement, il est fabuleux. C'est vraiment un magnifique blush. Ensuite, j'ai du Maybelline. C'est pas mal le Maybelline. J'ai du MAC. J'ai encore du BK. Parce que BK, ils sont juste top au niveau blush. Il n'y a rien à dire. Benefit, le California que je ressors au moment. La Peach. Ah, la Sweet Peach, c'est vraiment une collection que j'adorais. J'ai du Kiko, la Saint-Valentin. Ça m'a été envoyé. Du site Beauty Lala, en fait. C'est la Blushing Heart, en fait. I Love Makeup. Là, il y a encore du Too Faced. Ça, je les adorais. J'ai du Sisley. Celui-là était juste trop beau, quoi. Comment il s'appelait déjà celui-là? Ah, l'Orchidée. Oh, celui-là, il faut que je vous le montre. Attendez. Voilà l'Orchidée. Il n'est pas trop beau, s'il te plaît? Oh, il est juste magnifique. Ensuite. Ah oui, puis j'ai ma palette de chez Tarte. Je l'ai mis là, en fait, parce que celle-ci, elle regroupe tout. On a, je ne vais pas l'ouvrir, mais on a, c'est laquelle déjà? C'est la volume 3. Voilà, vous avez pour faire, en fait, le contouring, le blush, l'highlighter, enfin la totale. Ensuite, la partie fond de teint, foundation. Et j'en ai un autre là-bas, parce que j'ai plus de place. Donc, en fond de teint, j'adore le fond de teint. Pas n'importe quel fond de teint, des fonds de teint qui sont modulables et que... pas non plus des fois trop couvrant. J'ai de tout. J'ai les Yves Saint Laurent, la touche éclat que j'aime beaucoup. Du Fenty Beauty notamment. Moi, je l'aime bien. Enfin, moi, il ne m'a pas dérangé du tout. La Naked, j'avais beaucoup aimé de chez Urban Decay. Le Fit Me, j'aime beaucoup. Le Too Faced Bandy Sweat. Le Tarte, je l'adore celui-là, le chez Tarte. Le Make Up Forever. J'ai du Maybelline. J'ai du Clinique. J'ai quoi d'autre? J'ai du Chanel. J'ai le Dior qui est génial. Ça, c'est un sérum de teint. Pareil, encore Yves Saint Laurent. Ça, c'est la terracotta. Attends, j'ai quoi? Ah, j'ai du Guerlain, j'ai du Chanel. Enfin, bref, je n'arrive pas à tout ouvrir. Mais voilà, je fais attention aux dates parce que vous allez sûrement me dire, ah, mais Charlène, fais attention aux dates. Ne vous inquiétez pas, je suis super sérieuse là-dessus. Je fais attention, je regarde les dates. Mais voilà, j'utilise beaucoup de fond de teint et j'aime tellement en tester. Voilà. Après, je peux vous en parler. Voyez que ça commence à bloquer là. Dès que je touche un truc. Ensuite, dernier tiroir. J'aime bien ce tiroir. Vous savez pourquoi? Déjà parce qu'il est grand et il est profond et c'est ce que j'aime. Et là, j'ai choisi en fait ce tiroir-là pour mettre mes crèmes parce qu'il était profond. Donc, dans ce tiroir-là, on a de tout. Donc, en fait, ce sont des crèmes de soins et... ouais, c'est uniquement des crèmes de soins et des masques pour la nuit. Donc, je vous montre un petit peu. J'ai du Herborian, le Bamboo Waterloo que j'adore. Ça, c'est de chez Skim Food au miel. Alors, Glam Glow, c'est vraiment mes best-of, quoi. Je les aime trop. Et celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un méga illuminateur, en fait. C'est un hydratant, en fait, qui vous fait un joli glow. Je l'ai mis là, mais je l'aime beaucoup. Faut pas trop en mettre, mais c'est juste génial. Ça, donc, c'est une gamme que j'aime énormément. Pure Altitude, en fait, qui est un masque jeunesse qui est juste à la rose, Rose Alpina. Vous trouvez les produits, en fait, à l'Institut Bail Julien Evian. Il propose la gamme et il vous fait les soins avec. Donc, allez faire un tour. Franchement, c'est des super bons produits. J'ai du Kiehl's, parce que j'adore Kiehl's. Et je crois que Greg me l'a bien utilisé. Mon chéri, il l'a bien aimé, parce qu'il n'y en a presque plus. Donc, c'est la Ultra Facial. Elle est juste géniale. Encore du Glam Glow. Donc, ça, c'est pour la nuit, en fait. C'est le Dream Duo. Oh, comme j'adore celui-là. L'odeur. Il y a du Dior. Ça, c'est celle-ci que j'utilise le soir. En ce moment, qui est la Capture. Qui est géniale. Voilà. Franchement, qui est géniale. Par contre, le signe de l'âge retardé, ça me perturbe. Enfin, bref. On a encore là, c'est un masque de Pure Altitude. C'est une crème à la Delves qui est géniale. Du Sanoflore, j'en mets le soir, la Rose Angelica. C'est un baume de rosée pour la nuit. Ça, je vous l'ai montré. Ça, je l'adore. Honnêtement, ça, je l'adore. La Oiseau de chez Shiseido. Oh, je l'adore. Mon copain est moins fan, je l'ai fait tester. Là, j'ai encore du Dior. Celle-ci, je l'adore. C'est un masque Jelly Sleeping. Ça m'avait été offert, je crois.
Ensuite, ça, c'est du Guerlain. Vous voyez, j'ai de tout. Là, j'ai des masques. Là, je me souviens de celui-là. Vous vous souvenez, la Tony Moly? Ah, je l'adorais, celui-là. Ça sent le café. En vrai, j'en ai encore au fond. Je ne vais pas tout sortir, mais ça, c'est vraiment un super, super rangement, les filles. Je vous le recommande. Parce que honnêtement, tu en mets. Vous voyez, tu en mets, mais ça fait pas... Voilà, ça fait propre, quoi. Voilà. Ensuite, on va passer à côté. Donc, à côté. Donc là, déjà, j'ai mes pinceaux. Là, c'est mes pinceaux que je mets là dans un pot que j'avais trouvé. Je ne sais plus. Honnêtement, je ne sais plus si c'était une bougie ou quoi. Et là, c'est tous mes pinceaux pour le matin et je me retrouve bien. Donc, ceux que j'utilise régulièrement, je laisse à portée de main. Voilà, donc là, je vais le mettre là. Ensuite, petit rangement que j'ai acheté sur le site de Muji. C'est Muji ou Muji? Muji, je crois. Et en fait, maintenant, c'est un rangement pour les lunettes. Et moi, j'ai eu l'idée de faire un rangement plutôt pour les crayons. Donc là, au-dessus, ma petite trousse de chez Too Faced que j'adore, que j'emmène partout quand je vais dehors avec les filles, je peux mettre mon maquillage dedans. C'est super pratique. Donc là, ici, moi, je mets tout ce qui est crayon, surtout eyeliner. Là, c'est tout ce qui est eyeliner. Il y a tous les eyeliners imaginables. Il y a de tout, du Kat Von D, il y a du Marc Jacob, il y a de tout. C'est... Ah, j'ai fait tomber un eyeliner. Il y a du Sephora. Enfin, voilà. Moi, je m'y retrouve comme ça. Et c'est tellement pratique pour les ranger, je vous assure. Ensuite, là, c'est tout ce qui est pour les sourcils. Pour les sourcils, il y a du boulot. Donc, j'ai du Anastasia Beverly Hills. J'ai du Benefit. Parce que je suis une dingue de Benefit. Surtout celui-ci, le Precisely My Brow. Ça, les filles, c'est de la bombe. J'adore Benefit. J'ai toute la collection de Benefit pour les sourcils parce que c'est juste de la bombe. Honnêtement, c'est de la bombe. Surtout celui-là, le Precisely que j'utilise en ce moment. Il y a du Anastasia Beverly Hills, du Yves Saint Laurent, il y a de tout. Donc, là, c'est voilà. C'est le petit tiroir à sourcils. Attendez. Il faut que je le remette là. Voilà. Ensuite, autre rangement. Ça, c'est quoi? Anti-cerne, j'ai encore... Ah non, c'est tout ce qui est crayon pour les lèvres. Voilà, crayon pour les lèvres. Donc là, c'est tous les crayons pour les lèvres. Là, j'ai un truc de Yves Saint Laurent qui est la touche éclat qui est vraiment de la bombe. Crayon pour les lèvres. Ensuite, ici, crayon pour la muqueuse. Voilà. Et j'ai aussi des ombres à paupières, comme ça, que j'avais reçu chez Lancôme, qui était bien. J'ai du Sisley aussi. J'ai encore un lipstick de chez Dior. Je sais pas ce qu'il fait là. Ça, c'est crayon pour les yeux. Voilà, tout ce qui est crayon pour les yeux, c'est là. Donc, il y a un petit peu de... Et ça, franchement, les filles, c'est vraiment un rangement génial. Après, vous pouvez l'utiliser pour autre chose. Moi, j'utilise pour ça et je trouve très pratique. J'ai collé comme ça à ça, comme ça, on n'y voit pas. Il est caché, il est bien. Ensuite, rangement. Ça, c'est rangement pinceau. Dessus, c'est tout ce qui est mes petits serre-tête pour vous faire les tutos make-up. Il y a du Tarte, il y a du Claire's, il y a un petit peu de tout. Enfin, bref. Ce rangement-là, je l'ai acheté il y a déjà un moment et toujours chez USA Addict. On y voit le logo, je l'adore. J'avais mis des petites pastilles roses dedans pour surélever en fait les pinceaux. Et je trouvais très pratique, donc il y a de tout. Du Too Faced, du Real Technique, du Zoeva, il y a de tout. Voilà. Et j'ai, en fait, ceux que j'utilise des fois moins, je les mets là. Mais ils me servent quand même. Et les pinceaux, vous voyez, quand on en nettoie, il faut tout le temps en avoir à portée de main. Voilà. Ensuite... Je vais m'avancer. Coucou, vous me voyez là, je suis là. Je suis en train de charger mon téléphone en même temps. Ensuite, là, on va commencer par le haut. Ça, c'est un rangement qui m'a été beaucoup, beaucoup, beaucoup demandé. Rangement pinceau. Donc, c'est un rangement, ils ont fait Chanel. J'aimais beaucoup ce rangement. Je l'ai trouvé sur le site de Itzy. Mais en tout cas, très pratique, très joli et j'adore le design. Donc, moi, j'ai mis tous mes pinceaux préférés. Voilà, je les ai à portée de main. Donc, il y a du Too Faced, comme vous pouvez voir, je l'adore. Il y a du Sephora, du Lime Crime, du Marc Jacobs, du Fenty, du Kiko, du Zoeva, du Huda Beauty, que j'adore. Vous avez du Real Technique, enfin bref, vous avez tout des pinceaux pour le teint, pour le contouring, pour la poudre. Et j'en passe. Ça, c'est une boîte en verre que j'ai trouvée à Maison du Monde dernièrement. Il est encore récent. J'ai eu l'idée, en fait, de mettre mon maquillage dedans, moi. Voilà, et là, ils s'en servent pour autre chose. Mais ça, franchement, c'est juste génial. Donc, avant ça, ça, c'est mes lotions pour le soir. Origin Perfect World, qui est une lotion anti-âge au thé blanc. Ça, je vous la recommande, mais un truc de dingue. Elles sont tellement bonnes et en plus, elle est géniale. Et je varie avec la Pixie. Voilà, ça, c'est mes deux lotions d'amour du moment. Honnêtement, elles sont à portée de main. Je les mets dessus parce que, comme ça, le soir, j'ai tout de suite là. J'ai mes fossiles qui sont là. C'est ma clé USB, le Kitty. Et le Kitty, n'importe quoi. Titi, n'importe quoi. Mes fossiles, je les ai toujours à portée de main, donc je vais les enlever. Ils sont nettoyés, je nettoie tout le temps. De chez Huda, c'est les Scarlett. Comme ils sont trop beaux. Une petite ouverture comme ça, très pratique. Et là, il y a mes pinceaux de chez Tarte Cosmetics, que j'utilise pas souvent parce qu'ils sont trop beaux. Voilà.
Et là, c'est tous mes pinceaux. Ça, j'en reçois aussi par Octoly. Là, c'était chez Sephora, celui de chez Becca. Voilà. Là, je mets tous mes pinceaux. Sur ma coiffeuse, j'ai mis les photos de la soirée exclusive, la soirée Gold, où j'étais l'ambassadrice de Sephora. Et j'ai mis en fait toutes les personnes qui m'accompagnent et puis qui sont dans mon cœur. Voilà, ça c'était une abonnée que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle est là où il y a Letty. Letty, Laetitia, elle est là. Laetitia, attendez. Laetitia, elle est là. Voilà, il y a toutes les autres photos derrière, mais j'ai pas eu le choix parce que je dois toutes les mettre entre elles. Elle a une chaîne de beauté, c'est Laetitia Bellissima et on va bientôt faire une vidéo ensemble. Et puis elle est super cool. Franchement, on a le même délire. Voilà. Et ma copine Caro, là, les filles de chez Sephora. Enfin, c'est vraiment des moments de bonheur que j'ai eu avec elle et j'espère refaire d'autres soirées avec elle. Ma copine d'amour, Leïla, que vous connaissez, que j'en parle très, très, très souvent. Anthony de chez Becca. Je peux sens Anthony, mais on veut pas aussi. Enfin, bref, voilà. Là, j'ai mis, en fait, mes personnes qui sont chères. Ma Caro d'amour aussi, qui est là. Vous voyez, Leïla, Caro, ça, c'est, voilà. Elles sont là avec moi. J'ai enlevé, vraiment, j'ai des photos de mes enfants, mais j'ai préféré enlever. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Autre rangement. Alors, attendez, on va commencer par quoi? Donc là, il y a ma bougie Yankee Candle parce que je suis une dingue de bougies. Et en ce moment, c'est celle-ci. Je l'aime trop. La Witch Cocoa. Je vais la bouger de place avant de me cramer les cheveux, s'il te plaît. Donc, on va la mettre ici, que ce ne soit pas dangereux. J'avance. Donc là, c'est un miroir que j'avais acheté chez Maison du Monde. Mais j'ai envie de changer. Je veux un truc lumineux, en fait. Ça me plaît plus trop. Voilà, donc on va l'enlever. Déjà pour commencer, ce pot-là vient de chez Maison du Monde et j'ai mis mes cotons, mes Beauty Blender et je suis en train de tester les crèmes de chez Sisley que j'aime vraiment profondément, elles sont juste topissimes. Voilà, ça c'est mon pot à coton. Très pratique, honnêtement, génial et pas cher. Au-dessus de ce rangement, j'ai mis ma Matrix. La Matrix en fait m'a été offerte par mon chéri à Noël ou anniversaire, je sais plus, comme c'est à quelques jours près au mois de décembre. Et honnêtement, c'est génial parce qu'en fait, au fur et à mesure que les abonnés viennent, et ben en fait, ça vous met une musique. Enfin voilà, vous voyez, ça vous fait l'heure. Enfin vraiment, j'aime beaucoup ce truc. C'est un gadget, mais un gadget super utile. Derrière, en fait, c'est pour écouter de la musique. Ma tête de mort, en fait, que j'avais offert à Greg et qui s'est retrouvée dans ma chambre. Ma petite Yasmine, en fait, que m'avait ramené Julien de Euro Disney. Et je sais pas, je trouvais que... Elle me correspondait bien, alors je l'ai mis là, à côté de la métrique. Voilà. Quand je vous dis qu'on fait un temps pourri, voilà, ça met bien. Orage, nuage. Bon, par contre, c'est pas froid, hein, 15 degrés. Donc ensuite, on va passer à ce rangement-là. Attendez, où c'est que je l'ai pris? Je l'ai pris sur Amazon. Mais alors, honnêtement, je ne sais plus le nom de celui-ci. Ne m'en voulez pas, mais je le retrouverai, je pense. Alors, dans ce premier tiroir. Donc là, j'avais acheté la collection de chez Kali Cosmetics Birthday. Que j'ai adoré, regardez-moi ça comme c'était trop beau. C'est une palette, franchement, c'est une palette que je devrais ressortir. Je m'en suis même pas occupée. Enfin, j'avais fait un tuto là-dessus, mais je crois que c'était au début de ma chaîne. Enfin, elle est vieille cette palette. Hein. Enfin, elle est vieille. Ouais, elle est pas récente non plus. Oh, mais les couleurs, elles sont trop belles. Il faut que je me remaquille avec, honnêtement. Et elle avait fait cette palette-là. C'est des pièces, ça m'avait coûté un bananier parce que j'avais des frais de port, s'il te plaît. Hein. Kali, hein. Kali avec ses frais de port au secours. Là, on a plein de lipsticks. Donc, ça, c'est des mattes, des métalliques. On a beaucoup de Kali cosmétiques et du Tarte, surtout. Le Tarte cosmétique, j'adore. Et donc, je les ai mis là parce que bah, ils allaient bien là, en fait. Ensuite, dans le deuxième tiroir, ah bah du Huda. Huda, j'aime trop Huda et un petit peu tout chez Huda. Il y a tous ces lipsticks. Là, j'ai encore des lipsticks aussi. Ça, c'est des fossiles de chez Benefit que j'aime beaucoup. Et voilà pour ce tiroir-là. Ensuite, alors attendez, c'est quoi là? Est-ce que j'ai plus de place dans les autres? Oh là là, qu'est-ce qu'il y a encore là? Ah oui, ça, c'est tout ce qui est poudre matifiante, compacte et libre. La Too Faced, je l'adore, vous voyez. La Becca, je l'aime aussi. Ça, c'est valeur sûre aussi. Oh, la Golden, je l'adore, cette poudre libre. Je testais aussi la Master Fix de Maybelline, qui est juste top aussi. La Too Faced, qui est dans mon cœur. La Kiko, qui est pas mal aussi, que j'avais reçue. Ah, ça, c'est de la bombe aussi. Hein. Celle-ci, la Benny, la Luxury Powder, hein, je vous la recommande aussi, la banane. Hein. Il y a plein d'autres teintes hein, chez eux, mais elle est vraiment formidable. Il y a du Yves Saint Laurent, il y a du Fenty Beauty, il y a du Sephora, enfin bref, il y a de tout. Je ne vais pas tout sortir. Ensuite, à côté, ça c'est quoi? Herborian, c'est des trucs que je dois tester, que j'avais reçu. Là, on a tout ce qui est highlighter, voilà. Là, c'est un autre tiroir highlighter. Donc ça, c'était tous les Too Faced qui étaient sortis, vous vous souvenez? Oh, la Love Light, comme ils étaient trop beaux! Attends, j'ai le stick aussi de chez Maybelline, le Master. On a du Benefit, on a encore du Too Faced.
Benefit aussi, ça c'était en gel. J'ai du Lancôme qui est très bien en stick. Du Kiko qui était trop mignon dans la gamme Sugar. On a encore du Benefit, du Accord Parfait, du Accord Parfait. Enfin, bref, c'est tout ce qui est highlighter. Et c'est encore un autre rangement parce que, parce que j'ai plus de place. Dernier tiroir. Alors là, c'est des crèmes. En fait, c'est où j'avais plus de place, puis j'ai mis là-dedans, je ne sais plus. Si, c'est des crèmes. Donc là, j'ai la crème de chez Benefit, que j'aime beaucoup, beaucoup, que j'ai ressorti. C'est ça que je l'ai mis là, je l'ai ressorti en ce moment. Ça, c'est quoi? Pure Altitude, encore du Pure Altitude. C'est... Alors ça, c'est génial. Ça, ça m'a été offert par l'Institut By Julien et par Pure Altitude. Ils m'ont envoyé des produits que je suis en train de tester, que j'adore. Il y a du Dior, c'est palette de maquillage. Il y a du, encore du Dior, du Chanel. Ça, c'est quoi, ça? Ah ouais, c'est la poudre libre. Enfin, je la ressors, je l'adore au final naturel. Là, pareil, on a encore des poudres bronzantes. On est encore là. Il y a plein de choses du Dior, du... Il y en a partout. Mais c'est rangé, hein. Je m'y retrouve. Ça, c'est une crème que j'avais reçue de chez Kiko. Dans la gamme Free Soul, en fait. J'aime beaucoup cette crème que je suis en train de tester. Je vous en reparlerai. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé. Il y a du pinceau. Enfin, bref, il y a encore pas mal de choses là-dedans. On va passer au dernier rangement qui est là. Alors, celui-là, je ne sais pas celui-là parce qu'il ne veut plus se fermer. Je ne sais pas, il y a un truc qui est bloqué. Il nous fait caquer. Donc, c'est un rangement de chez IKEA de Alex. Donc, on va survoler aussi rapidement parce que là, c'est tout ce qui est soin pour le corps et tout le tral. Alors, premier tiroir, c'est parti, mon kiki. Là, c'est tiroir pour les crèmes. Il n'y en a pas qu'il y a des crèmes. Marque Pure Altitude qui est géniale que Julien, l'Institut Bajulien m'avait offert. Ça, c'est... Ah, c'est chez IKEA. Ouais, c'est pour le corps. C'est un exfoliant. Baume cosmétique, vous devez connaître. Du Sephora. J'ai tout ce qui est crème pour les mains. Voilà, j'en ai un peu partout. Crème pour les mains, huile de massage, j'ai du Carita. Ça, je suis en train de tester. J'adore beaucoup Blanc Crème. J'aime beaucoup leur blanc, chez Blanc Crème, surtout leur gommage. Franchement, parce qu'ils exfolient vachement bien la peau. Ça, c'est tous des trucs de baume cosmétique que j'avais acheté. Mon fils vient toujours les voir parce que regardez comme c'est trop cute avec le petit canard. C'est pas trop marrant. Crème pour les mains, gel bactérien. Voilà, mon tiroir pratique. Deuxième tiroir. Alors là, c'est le tiroir pour les cheveux. Donc là, j'ai des shampoings que j'avais testé chez la marque Aussi, qui est pas mal. Ça, j'aime beaucoup. C'est le Brazilian qui sont chez Sephora. Chez Sephora, n'importe quoi. Chez Monoprix. Ils ont toute une gamme là-dessus. Chez Payot, ouais, on m'avait offert ça. C'est une huile qui nourrit et répare. Ouais, c'est vrai que c'est très bon, ça. Voilà, j'ai du Chlorane. J'ai du Soap & Glory. Ça, j'ai reçu du Schwarzkopf. Rituel, j'adore Rituel, c'est pour la peau. J'ai bien utilisé celui-là, j'arrive au bout. Très très bon Rituel, très très bon. Natura Sebirica, celle que j'avais essayé. Ça c'est une lotion body lotion que j'avais acheté chez qui ça? Avec ma fille, ah chez Claire's. Ça c'est de la bombe, d'accord. Parce que l'Institut By Julien fait des super bons produits. Et ça, c'est senteur épicée. Oh là là. Élixir de douche. Ça, je peux vous dire, c'est des bons produits. C'est Bionatural by Fitis. Et je peux vous assurer que... Oh, ça sent divinement bon. Ça, c'est... Qui c'est qui m'a offert ça? Je ne sais pas si c'est Caro. Donc, en fait, c'est Coconut. C'est un body scrub gommage corps qui est vraiment génial. Voilà. Aussi, truc naturel. C'est bien aussi d'essayer ça. J'ai quoi d'autre au fond? Ah ouais! C'est la même gamme que le shampoing qu'elle a. Donc, c'est une huile, en fait, pour les cheveux. Voilà, que vous pouvez nourrir en fait vos pointes et tout, mettre ça le matin ou même avant votre coiffage. Enfin, c'est de la bombe, honnêtement, c'est de la bombe. Ensuite, alors dans ce tiroir-là, il y a du démaquillant, il y a du Kiko, il est bien celui-là, je l'aime bien, je l'aime bien. Bon, le mieux c'est celui-là que je termine là, le cils des masques, le démaquillant je mets, je pense qu'on le connaît tous, le biphasé, c'est de la bombe. Celui-là, il n'est pas cher, il est génial. J'ai du Garnier, la solution micellaire elle est top, alors ça c'est de la bombe. Je l'achète tout le temps. La biphase misère tout en un. Mais oh, elle est juste géniale. Alors celle-ci, je peux te dire qu'elle te démaquille, mais alors en profondeur. Hein. Franchement, je l'adore. Le fini qu'elle laisse sur la peau, elle est vraiment top. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc j'ai du Garnier. J'ai du Nuxe aussi. Une huile démaquillante. Ça, c'est quoi? Ah oui, chez Chanel, c'est le lait douceur que j'aime beaucoup. Maybelline, qu'est-ce que j'ai d'autre là? Du Nuxe. Du Nuxe, ça c'est chez Estée Lauder, ça c'est bien, c'est une mousse nettoyante, je sais même mousse nettoyante. J'ai encore une crème, là, la Hydra Beauty de chez Chanel, j'ai du cils des masques qui est pratique. Ça je vais trouver ça chez Monoprix que je suis en train de tester, qui sent bon. La marque Royal Bouquet, c'est Baileys and Harding, je crois que c'est vraiment typiquement de Londres, ouais je crois que c'est ça. Donc voilà pour ce rangement, rien d'extraordinaire, mais bon, j'y mets en fait tous mes démaquillants, mes trucs. Et dernier tiroir, ça c'est tout ce qui est trousse. Ça c'est tout ce qui est trousse que j'emporte partout. Et j'en ai plein.
Honnêtement, j'en ai plein de chance. J'ai encore la boîte de chez Too Faced. Je vais l'enlever. Voilà, c'est toutes les trousses qu'on m'offre, qu'on me donne et puis que j'ai en cadeau. Et ça, c'est super pratique quand vous partez en voyage. Ça, c'est le top. Car, en fait, bah, tu peux mettre plusieurs rangements dedans. Je l'avais pris, en fait, pour faire les reines du shopping. Mais c'est, ça sert vraiment bien. Tu mets, par exemple, les bronzers, là, je sais pas, moi, les mascaras, là, et autres. Mais c'est génial, génial. Une fois que je m'en retrouve, il y en a chez NYX, je crois. J'ai des bombes pour les cheveux. J'ai encore une trousse, là. J'ai tout fait. Enfin, bref, voilà. Plein de choses. C'est mon rangement à trousse et mes bombes. Je pense qu'on a fait le tour là-dedans. Dernier tiroir, donc j'ai oublié de vous montrer. Ça, c'est tout mon rangement palette. Alors oui, il y en a énormément parce que je suis une dingue de palette. Donc, je ne vais pas tout vous sortir, mais je vous énumérerai vite fait. Donc là, la dernière palette Clover que j'adore énormément. Franchement, je l'adore. La Chocolate Gold qui est une de mes favorites. Il y a beaucoup de Too Faced parce que j'aime trop Too Faced. J'ai du Tarte parce que je suis dingue de chez Tarte. Il y en a encore plein en dessous quand je vous dis que j'en ai beaucoup. Mais je suis dingue. Je ne sais pas vous dire combien j'en ai, mais... J'aime trop, j'ai la Soft Glam que j'adore, j'ai du Marc Jacob, du Too Faced, du Kylie, j'adore Kylie, encore du Too Faced. Là, il y a la White Peach, je vais enlever la boîte, elles sont là. La Glitter, il y en a encore là, du Too Faced, et toute petite. J'ai la White et la Just Peachy qui est mes palettes d'amour. J'ai du Huda Beauty, j'en ai plein, il y en a encore en dessous là. La Huda, j'adore. J'ai la Désert aussi. Je l'adore, la Désert. J'ai une de mes palettes. J'ai du MAC. J'ai encore du Anastasia. Du Too Faced. Du Too Faced. Du Too Faced. Il y en a partout. Mais en tout cas, voilà. C'est vraiment... j'ai mis là, en fait, comme ça. Avant ici, il y avait d'autres choses. Je me dis, pourquoi pas mettre mes palettes ici? Parce que le nombre que j'en ai, ça me prenait trop de place dans mes rangements que je vous ai montrés. Donc, j'y ai mis comme ça. Voilà, il y a encore du Tarte Cosmétique, il y a du Benefit, c'est une palette en fait de teint. Il y a du NYX, j'adore NYX Lingerie aussi, il y a encore du Too Faced, il y en a encore là. Ensuite à côté, là il y a de tout, il y a encore du NYX Lingerie, il y a les deux palettes de Too Faced, ça c'était les petites, c'était quoi ça? Ah ouais, c'était les Chocolate Chips, vous vous souvenez ça, la blanche et la marron, du Fenty, il y a du Givenchy. Il y a du Benefit, ensuite l'appareil, il y a du Maria Carré, il y a ça c'est pour les sourcils, Too Faced, la palette contour, il y a du Becca, il y a du Anastasia, celle-ci elle a accroché à celle-ci, voilà celle-ci je l'adore aussi. Voilà c'est vraiment un rangement qui est top pour ça, pour le tiroir, ça c'est pour le mémé bougie, ça c'est mon taille crayon, ça c'est des cotons-tiges, des fossiles, mes petites lingettes. Ah, là, il y a une palette contour de chez Benefit en dessous. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, on va me prendre pour une folle, mais regardez, il y en a encore en dessous. Mais je ne peux pas tout vous sortir, c'est juste quand même pour vous montrer mon rangement de palettes, voilà, qui grandit de jour en jour et que je ne vais plus avoir de place. Mais voilà, c'est comme ça que moi, je me suis organisée et ça me va très bien comme ça. Ça, c'est mon rangement. Enfin, j'avais mis, on avait acheté ça chez... Oh, je ne sais plus. Où c'est qui m'avait acheté ça, Greg? Je ne sais plus. En bref, c'est des petites étagères, ça se trouve partout de couleurs. J'ai tous mes parfums d'amour et je change, j'ai pas un parfum le même chaque jour, en fait, je change. Et là, en ce moment, j'adorais celui-là de chez Cacharel, on l'a toutes. In Love Again, ça, je suis méga fan de Yves Saint Laurent. Ça, c'est moi aussi mon parfum d'amour. Aloha Cherry, qui est vraiment formidable. Celui-là, c'est de la bombe, quoi. Honnêtement, Sud du Pacifique, j'adore. Le Coco Mademoiselle, qui est un de mes favoris aussi. Le Poison Girl, le Nuxe pour l'été, le Escada, le Narciso Rodriguez, le Bronze Goddess de Céloder, les Lolita d'Ampekia. J'ai quoi d'autre? Il n'y a pas mon préféré. J'ai acheté chez Victoria's Secret aussi, vous le savez, le Bombe Seul, mais il doit être en bas. Ça, j'ai le bonbon que j'aime beaucoup. Enfin bref, je ne vais pas tout se le montrer parce qu'on va y passer des heures, mais en tout cas, très pratique pour moi. Et en dessous, c'est pour mes bougies, je suis une dingue de bougies et je reçois pas mal de ma jolie candle, notamment, vous savez, j'ai un code promo chez eux, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Ça, c'est mes brumes d'amour de chez Batina. Honnêtement, bénéfique quand ils ont sorti cette collection, tu peux te mettre dans les cheveux, tu peux mettre sur le corps, c'est de la bombe. Je me suis acheté cette bougie dernièrement en édition limitée, c'est une blogueuse en fait, s'appelle Mrs. Bella. Bella, j'adore, j'ai le prénom. Et elles sont divinement bonnes de la marque Jewel Candle. Voilà. Et il y a un bijou dedans. Et j'adore leurs bougies. Yankee Candle, c'est aussi mes préférées. Et celle-ci, je ne l'ai même pas encore allumée. C'est des trucs de Noël. J'ai encore aussi une derrière. Voilà. Un marshmallow que je vais tester. Je vous en reparlerai. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci. Je n'ai rien oublié.
Et voilà en fait où se passe en fait toutes mes vidéos, range toutes mes vidéos make-up et où je passe beaucoup de temps. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Et voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu sur ce rangement make-up. En tout cas, moi, j'étais très contente de la réaliser et de vous montrer comment moi, je m'organise. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker cette vidéo si elle vous a plu. Merci encore à toutes d'être autant nombreuses chaque jour. Merci encore aux nouvelles abonnées. Bienvenue sur ma chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. D'ici là, je vous fais plein de millions de bisous. Et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Donc, chaque mercredi et chaque dimanche, vous le savez, sur ma chaîne. Ciao et à très vite.